Taverne de la Rodia, la ville de Besançon et le local box club. Calme-toi. Tu es seul. Bien, tout d'abord, laissez-moi vous présenter les officiels. Car on a fait les choses bien. Tout d'abord, cette soirée sera accompagnée par trois arbitres, plus ou moins officieux. Je crois que j'ai devant moi Philippe Rodier, arbitre régional. On peut l'applaudir. À ma droite, celui qui applaudit comme un papillon, je crois que c'est Vincent Dupas, arbitre international. Eh ouais, un diplôme au-dessus. Ouais. Deux diplômes au-dessus. Non, il fait plus jeune. Et là, c'est Roger Gigandet, arbitre international. Vous allez être beaux les papillons, les gars. Et enfin, attention, ce n'est pas n'importe qui, car le monsieur que je vous présente, c'est notre maître du temps, le chronométreur national, Gérard Chabert. Gérard Chabert, qui n'est donc que le président du comité de la grande région Bourgogne-Franche-Comté de Bourg-en-Bresse. C'est la plus longue fiche. Accompagné d'un délégué de réunion, Jean-François Thoridner. Notez, greffier, notez. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est là. Et d'un charmant docteur qui peut glisser son numéro de téléphone en fin de soirée. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver des vies, appelez-le. Mais pour commencer cette soirée, je vais demander d'accueillir chaleureusement pour ce premier combat qui va avoir lieu en 3 fois 3 minutes, c'est-à-dire 3 rounds de 3 minutes, c'est ça, t'as tout compris. Malgré ta coloration, t'as tout compris. Dans une catégorie légère de 57 kilos. Oui, ce n'est pas beaucoup, mais va lui dire en face au mec. Ok ? Dans le coin rouge, je vous demande d'accueillir le premier boxeur qui nous vient tout droit du club AGM de Vesoul, préparé par Alain Paon. Ce combattant est capable de faire fondre du beurre rien qu'en le fixant. Il aime le cuir et la viande crue. On le surnomme le boucher de Vesoul. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Pierre le deuxième boxeur dans le coin bleu, il vient du club de Vendeuvre. Si je dis une connerie, vous m'arrêtez. C'est le club de Vendeuvre Boxing qui vous le présente. Il est préparé par Jean-Michel Mustapha. Ce guerrier a déjà pris une 405 break dans un mur. Il peut manger des sardines sans enlever les arêtes ni les sortir de la boîte. On l'appelle Ben Boum Boum Ilyes. Je vous demande d'applaudir Ilyes Ben Abdallah. Pas de
Soigneur, hors du ring. Deuxième round. Allez, voilà. Allez, 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 allez,
passer devant toi encore, hein. Qui voilà. Le vainqueur de cette rencontre, le point est rouge, le vainqueur, Pierre Vanier. Vous pouvez également applaudir Inès Benabella. Merci aux préparateurs. Était arbitré par Philippe. Ciao, ciao. On peut encore les applaudir. Et la soirée n'est pas terminée. Ce n'était que l'apéritif.